Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans ce troisième match maintenant de ce groupe A qui va opposer l'Uruguay de Hino ainsi que le pays organisateur, l'Arabie Saoudite. Et pour m'accompagner durant ces commentaires, eh bien, je suis avec Ranunga. Ranunga, quel match hein, ce soir aussi qui va être riche en perspective hein, puisque le gagnant ici pourrait être eh bien, le leader bien évidemment de cette compétition. Salut Moussino, salut tout le monde. Oui, ce match, je l'attendais énormément pour voir cette confrontation entre Oeran, le super défenseur saoudien, et Hino, le super attaquant uruguayen. Et j'ai hâte de savoir qui va réussir à avoir le dernier mot dans ce match. Eh oui, et on a deux gros buteurs aussi hein, du côté de l'Arabie Saoudite. C'est la baleine, hein, comme on l'appelle dans le jargon, la Vulcan, hein, d'être 2m10, 120 kg, hein, prédisposé à faire du catch. Et de l'autre côté, bien évidemment, eh bien, le Hino hyper athlétique, hyper féroce et qui est aussi très talentueux, notamment avec Victor Hino, comme on peut le voir sur cette composition. Oui, composition classique avec le duo habituel qui va se confronter à la défense très solide avec ce 4-3-2-1, donc plutôt défensif comme formation. Donc ça va être intéressant de voir cette confrontation. Eh oui, et Oeran qui va évoluer sur le côté droit et oui, non surprise. Pas dans l'axe. La et surprise. Bizarre, ouais, bizarre. Assez surprenant ici de la part du coach, mais bon, c'est pour pallier au débordement de Victorino. Oui, c'est une possibilité, ou peut-être pour que Oeran puisse lui-même déborder. Et attention ici, premier tir de Victorino qui fait jouer sa vitesse et tout de suite repoussé par le gardien saoudien et qui va se concrétiser avec un tir en aérien. Oh là, ça va ça très vite fort, du côté des Uruguayens. Ils veulent en finir rapidement, là, les Uruguayens. Ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ont peut-être des buts à remonter, c'est-à-dire maximiser ici leur rapport pour essayer de coiffer sur le poteau les Japonais. Et d'avoir un maximum de buts, pourquoi pas. 1, 3 ou 4-0, comme l'a annoncé Hino en conférence de presse. Avec un minimum de 3 buts dans ce match. Alors, s'il a raison ou tort, on le verra durant cette confrontation. C'est risqué de parler comme ça avant un match, mais... il est très hautain, quand même. Il aime bien se mettre en avant. Mais surtout après avoir perdu face au Japon, c'est un petit peu marrant de se vanter, mais bon, on va voir. Est-ce qu'ils sont à la hauteur? Parce que l'Arabie Saoudite n'est pas non plus une équipe à prendre à la légère. Absolument. Et là, avec Vulcan qui perd le ballon. Rodriguez qui va trouver Victorino, qui trouve Hino, tout de suite récupéré, et non, tout de suite perdu. On a du mal à commenter le match tellement ça va vite. Hein. Oh oui, c'est là, ça, les équipes partent très fort, enfin, surtout le Uruguay, hein, l'Arabie Saoudite, on les voit pas du tout. Ils subissent. Ils sont asphyxiés. Hein. Ouais, ils subissent. Le fait d'avoir mis Petro Grande sur le côté est peut-être un mauvais choix du coach, peut-être qu'il va le regretter, parce que là, il est moins là pour gêner le duo d'attaquants. Ouais, c'est possible. Alors effectivement, ils l'ont mis peut-être sur le côté juste pour sur le côté d'Hino où il évolue très vite pour le stopper. Parce que Victorino est quasi irrattrapable. Hein. Il va tellement vite pour cette équipe saoudienne. Il n'y a pas de joueur athlétique au Sénégal. Ça, c'est sûr. Donc ça va être un peu compliqué. Attention, et c'est Victorino qui va encore très vite. Non, tout de suite récupéré par Fatia. Et perdu avec Macias. C'est Fatara qui prend la balle et qui remet à Vulcan. Attention, première action ici de Vulcan. Et ça peut être déjà le 1-0. Hein. On sait que oui, sa force de frappe... Attention, ouais. Peut-être qu'ils vont se faire surprendre sur cette première action saoudienne. Eh non. Non. Ouh là là, ça lui a coupé le souffle. On le voit à l'écran ici, la Vega. Il a eu le souffle coupé en arrêtant ce tir. Oui, première belle action des Saoudiens. Qui a failli surprendre les Uruguayens. Action dangereuse ici, effectivement, des Saoudiens. Attention, c'est vite reparti avec Vulcan une nouvelle fois, non, stoppé par Romero. Bon pressing ici des Uruguayens qui sont vite remis en place. Pour l'instant, c'est assez serré quand même, hein. Les deux équipes gèrent. Ça s'est rééquilibré après un bon début uruguayen. Oui, c'est vrai, ça se neutralise un petit peu là au milieu bon, du terrain. Je continue à mettre une petite pièce sur les Uruguayens qui, je pense, à force vont forcément avoir une action franche tout à fait. Tout à fait, là, ça va très vite aussi avec Victor Hino qui va peut-être trouver eh bien Hino. Non, c'est la tête de Santiago. Non, tout de suite repoussé par le défenseur saoudien. Et ça va vite aussi hein, du côté des Saoudiens avec ce jeu en passe là. Oui, spécialiste de la contre-attaque, hein, ils savent rapidement sortir.
Dommage qu'on voit pas beaucoup Eren dans ce match. C'est quand même une des armes. Ah non, on le voit pas du tout. Non, non, il est principal. Quasi pas là du tout. Alors effectivement, il est plus dans l'axe. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on ne le voit plus. C'est dommage, mais c'est dommage. Peut-être qu'il y aura un changement aussi à la mi-temps hein, du coach, vu que cette tactique ne marche pas. C'est possible, mais il peut vite revenir. Attention ici, débordement encore une fois de Victorino qui va peut-être tenter bien de tirer. Et il tire effectivement. Et non, claquette encore une fois ici du gardien saoudien. Attention, hein, il y a feu, il y a feu dans le petit camp des Saoudiens. Bon, toujours pas de but, c'est un peu dommage, hein, mais c'est pas fini. Il nous reste encore un peu de temps pour voir un but dans cette première période. Oui, c'est pas fini encore, hein. Il reste un peu de temps, un tout petit peu. Attention ici, avec la retournée peut-être de Victorino. Non, c'est le contrôle orienté de Victorino. Attention, ça peut faire but. Ah non, bon de retour justesse. D'Almudine ici. Belle intervention, il y avait gros danger. Et Oran, on le voit ici qui monte. Et ça y est, il a décidé de oui, monter. Oui, ça y est, il se met en bonne position. Mais le Saoudien croque le ballon, là, il lâche pas. Ah, ça y est, ah, ça y est, ça il a lâché, il t'a écouté. Ça y est, il m'a entendu. Dommage, Oran n'a pas tenté sa chance. Il a préféré remettre ça entre les mains de Vulcan. Est-ce que ça va être le premier but? Et non, toujours pas, tout de suite toujours. Repoussé in extremis hein, de l'intervention ici de Vega. Un très bon match ici des deux gardiens hein, qui nous offrent eh bien, un récital d'arrêt. Attention avec la contre-attaque ici avec Rio Maino qui va peut-être trouver Victorino dans la surface. Oui, il le trouve. Et Victorino va faire parler eh bien, sa vitesse comme d'habitude. Et oui, il va peut-être concrétiser avec un tir, c'est ce qu'il va il faire. Est passé. Eh ben c'est but, et voilà. Et il fallait que ça arrive, hein. Ça fait... ils ont laissé trop de fois Victorino partir sur le côté. Et c'est quand même un très bon buteur et trop d'occasions, ça finit par un but. Eh oui, hein, avec ce bon débordement là de son côté droit, et du coup ça fait 1-0 pour l'équipe uruguayenne. Attention et, peut-être et avec là, cette encore, contre-attaque. Encore l'Uruguay là, qui fait un bon début de match, et après est-ce que ça va finir par une victoire où ils vont se faire surprendre, hein, la vie avec le Japon. Attention. Ah, c'est possible. Attention ici avec Ryo Maino là qui fait un gros débordement. Et qui se donne le luxe en plus de tirer. Oh, voilà, il est très loin, ça il est peut très être loin, est-ce qu'il va réussir à faire mettre assez de puissance? Eh oh, ben il met assez puissance, de puissance quelle dans puissance. L'axe. Quelle puissance, il était loin, il a pas cherché à comprendre. Il a tiré sur le gardien est rentré dans les cages avec le ballon. Impressionnant. Et ça fait déjà 2-0. Hein. Et ça fait déjà 2-0. Le break est fait. Et ça fait deux buts hein, pour Ryo Maino dans cette compétition. Attention, hein, peut-être ça va être le moyen pour lui de prendre la tangente et d'être au-dessus de Yuga, hein, qu'on rappelle, hein, les deux, vraiment les gros rivaux là, de cette compétition en termes de buteurs. Et ça va être la fin, je pense, de cette première mi-temps sur un score de 2-0. Très belle opération pour l'instant des Uruguayens. Oui, le match parfait, ils ont dominé, ils se sont fait un peu peur à un moment, mais là ça y est, deux buts. Je pense qu'ils viennent d'assurer leur victoire. Je vois mal les Saoudiens revenir. Eh oui, on a vu quelques occasions assez franches des Saoudiens, mais mine de rien, hein, pas grand-chose d'assez craintif. Mais c'était une erreur, hein, mettre Oran sur le côté. Il n'a pas pu gêner le duo, il n'a pas pu contrer des tirs. Il a eu moins d'actions offensives. Alors, il y a eu justement une réflexion de l'entraîneur en le mettant sur le côté, mais ça a été une énorme erreur. Oh, ça a été, je pense, pour capter les débordements de Hino, mais vu qu'il maintenant il se ressent dans l'axe, hein, pas folle la guêpe comme on dit dans le jargon, mais du coup, c'est vrai que ça pose problème à Uran. Il faudrait peut-être le remettre dans l'axe, effectivement, dans cette seconde mi-temps, pour espérer peut-être quelque chose. Et cette seconde mi-temps, elle débute maintenant. Attention avec Vulcan ici dans l'axe, peut-être. Premier ballon touché. Il se défait d'un joueur, non, il rencontre Daniel sur sa route. Oh là là, c'est contrôle orienté. Ah bah tiens, Warren, mais il est ça vite est, remonté ça aussi. Ça y est, enfin, il se réveille un peu. Le et voilà, parler. C'est ça reparti. Y est, on a et un Warren un peu plus au marquage de Hino. Eh oui, c'était ça, hein. Il est toujours resté sur le côté, là, mais finalement, c'était pour prendre en grippe Hino. Hein. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu tard, une fois qu'on perd 2-0? C'est vrai. C'est vrai, ça peut être... un des problèmes du match, en tout cas. Oh là là, mais qu'est-ce que nous fait Jair ici? Ça n'a servi strictement à rien. Attention à Macias. Oh là là, le contrôle orienté encore une fois de Hino. Il les aime bien, ces petits contrôles. Il va peut-être trouver Victorino. Ah non. Passe ici, intercepté par le Saoudien.
Attention à Vulcan ici, avec les grosses frappes lourdes et sèches. Oh là là là, il faudrait peut-être tirer, monsieur. Et oui, donné. Il va encore. Voilà, comme oh d'habitude, il allait s'empaler sur, sur le gardien. C'est dommage. Ça ne sert à rien. C'est là qu'il fallait marquer pour réduire le score tout de suite. Plus le temps passe, plus ça devient compliqué. Eh oui, ça ne sert à rien. Faut tenter des tirs un peu lointains. Ce n'est pas tellement grave, hein, du moment que ça fatigue un poil le gardien. Et là, non. J'ai l'impression qu'il voulait rentrer avec dans les cages, dis donc. Dommage, il y avait un coup à jouer là. Il y avait une dernière chance pour les Saoudiens de jouer le match, de gagner hein, sur une remontada. Alors, là, attention, c'est pas fini avec Ruay ici sur la grosse percée. On va dire que ça va être plus compliqué d'aller marquer déjà deux buts, sachant que Vulcan pour l'instant n'est pas très en forme dans ce match. Ah, ça peut aller vite. Hein. Ah oui, ça peut aller vite. On a vu des plus gros retournements de situation. Mais là, Ouram qui ne monte pas beaucoup aussi, qui aurait pu être une aide très intéressante. Attention ici avec la tête de Vulcan, on sait qu'il est bon de la tête aussi. Et non, repoussé encore une fois par Vega. Attention, il fait chaud là du côté eh bien, des. Oui, là ce sont les Uruguayens qui sont en bonne phase. Attention, la tête puissante ici là avec le jeu aérien de Vulcan. Eh ben ça craque et ça fait 2-1 ici Radunga, donc on peut remonter du côté de l'Arabie Saoudite. Il reste pas beaucoup de temps. Je pense que pour la victoire, ça sera très compliqué. Mais pour le match nul, c'est tout à fait jouable. Absolument, c'est totalement possible. Là, ça relance un tout petit peu les Saoudiens. Bonne équipe là, hein, de l'Arabie Saoudite, mine de rien. Ça gagne contre le Sénégal. Ça tient un tout petit peu tête à l'Uruguay. Il faudrait voir ce que ça donne face au Japon. Je ne sais pas s'ils vont se qualifier. Mais s'ils se font éliminer, en tout cas, ça sera de justesse. Parce que pour l'instant. Une victoire contre le Sénégal. Là, pour l'instant, un nul. Donc, c'est tout à fait intéressant. Ah ouais, attention ici à Victorino là, qui fait parler sa vitesse et qui va décocher un gros tir dans la surface de réparation. Eh non, ça vient trouver encore une fois eh bien, le gardien saoudien. Attention ici, une nouvelle frappe. Non, rien du tout encore une fois. Attention, oh là là, Ino du coup qui n'en demeure pas moins. Attention, peut-être un troisième but. Eh ben c'est le troisième but, c'est la réponse tout de suite. Hein. Ça on sait que les Uruguayens sont capables de ça. Et là ils viennent enterrer les chances saoudiennes. C'est vrai que ça devient très 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 compliqué. Il reste un peu de temps mais il faudra une grosse attaque de Vulcan et des gros tirs pour pouvoir inquiéter l'Uruguay. Eh oui c'est dommage. Parce que l'Arabie Saoudite là, en égalisant, en arrachant le match nul, ils étaient bien positionnés pour la qualification. Oui, absolument ouais. Et là malheureusement... Ça devient compliqué. Et Ino qui finalement monte à 3 buts, donc il égale en ce moment. Et oui, il va se battre, hein, il va se battre pour aller gagner ce titre. Le combat avec Yuga ne fait que commencer. On sait que ces deux joueurs se tirent la bourre dès qu'ils le peuvent. Eh oui, bien resserré ici de Rachid Verino. C'est vrai que O'Haron, c'est tout un autre match qu'on voit de lui. Hein. Il n'y a rien du tout de ce côté. Oui, hélas, pas au niveau de son premier match, parce que c'est dû au positionnement, hein. Ça c'est très dommage. Oh là là, la Oula. Barre transversale ici. Là, Il y avait danger, il y avait ah danger. Ah non, c'est même pas la barre, hein. C'est même pas la claquette. Claquette. Claquette ici de Arabie Saoudite. Eh non, ils sont partout là, hein. Ça y est, ils veulent vraiment enterrer le match. Hein. Oh oui, ils lâchent pas là, ils ne font pas avoir cette fois-ci et prendre le risque de se faire un petit peu remonter. Il y a la pression. Belle relance là. Belle relance, mais il est très loin, Vulcan. On sait que c'est pas sa spécialité de partir d'aussi loin. C'est foutu. Alors que Victorino, il esquive tout le monde. Joli. Ah, une passe ratée, mais Ino se rattrape. Attention, il faut pas le laisser tirer, là. Sinon, c'est le quatrième but. Hein. C'était juste. Bon retour de Halal, ici. Et il a eu du temps pour armer sa frappe. Là, il faudrait peut-être avancer un petit peu. Oui, ça se faisait des passes, mais sur place. Pas très intéressant. C'est ça. Une sorte de taureau, finalement. Ah oui, c'était tout à fait ça. Là. Ils ont brassé du vent, les pauvres. Et ils n'avaient pas trop le temps pour ça. Toujours mené. Attention ici. Ah, non. Alors, bon travail cerné ici. Peut-être avec Fatia qui va trouver Fatara. Qui va retrouver Fatia, qui va retrouver Vulcan. C'est bien là dans l'axe, il n'y a personne. Attention. Ah, il faut tirer là, oh là là. Oui, il va encore. Ah, il a réussi, voilà. Mais bon, du bout du pied, c'était pas très dangereux. Toujours ce syndrome là de vouloir rentrer avec le ballon dans les cages.
Et pas le moment. Et là, faut tirer à partir de là. Alors, je sais pas pourquoi il continue encore ces incessantes percées qui ne servent à rien. Il faut concrétiser avec des tirs. C'est dommage, là, on était un peu plus lucide, il aurait pu faire autre chose. Eh oui. Ah bah voilà, là oui, effectivement. Ça y est, ça y est, enfin. C'est pas bien grave. Et l'intervention de l'Uruguayen ici, du numéro 24, est repoussée du bout des doigts. Attention, hein, ça peut être peut-être le 3-2. Oh là, belle claquette ici de Vega, encore une fois. Ah, attention, c'est pas fini. Hein. Ah non, là, ça sera, je pense, terminé. Eh oui. Bon, on renvoie des 6 mètres. Et l'Uruguay qui va récupérer eh bien 3 points ici dans ce deuxième match de qualification pour la suite. Et c'est fait, l'Uruguay qui gagne à 3-1. Des Uruguayens qui se sont fait un tout petit peu peur au début, hein, et qui prennent la tête de ce groupe avec eh bien 3 points et notamment 5 buts. Hein, donc ils passent devant le Japon. Alors là, on a 3 équipes à 3 points, après il reste Japon, Sénégal. Mais l'Uruguay se replace, mais c'est pas du tout fini parce que ils ont le même nombre de points que l'Arabie Saoudite. On va voir ce que va faire le Japon, mais ça va être un groupe assez intéressant. Eh oui, ça peut aller aussi très 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 vite. Alors effectivement, le scénario, on va dire, funeste, ça serait que le Japon perde hein, face au Sénégal. On n'espère pas, enfin pour le coup, on ne leur espère pas ceci. Mais ça pourrait eh bien, tout relancer si le Japon perd au prochain match. Hein. C'est ça, oui, ça peut être. S'il y a un exploit du Sénégal, tout est remis à zéro. Après, bon, on voit les Japonais quand même vainqueurs de ce match, ils sont les favoris. Mais il suffirait d'un nul, par exemple. Hein. Déjà, un nul, ça ferait 4 points le Japon, 3 points Arabie Saoudite, 3 points Uruguay. Non, ça va être un match intéressant. Ça va être, très, 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 très compliqué. Et notamment, hein, des nouvelles qu'on a encore reçues il n'y a pas si longtemps. Et Genzo, qui aura encore son poignet pas totalement rétabli. Hein. Donc moi, je pense qu'on peut encore voir eh bien, Ken dans les gardiens pour le prochain match contre le Sénégal. Hein. Et oui, ça va jouer aussi, ça. Si c'est Ken qui fait tous les matchs, c'est sûr que ça va laisser une chance aux adversaires. Donc oui, hâte de voir les prochaines confrontations, notamment le Japon-Arabie Saoudite en dernière journée, qui sera, j'espère, un très beau match. Ah ça va être le plus gros match hein, que tout le monde attend, un choc des titans entre les deux génies du foot. Et d'ici là, donc, bah, nous on vous dit portez-vous bien, à bientôt pour une autre vidéo, et puis bye bye. Bye.